Alors, vous venez d'entendre Jean-Marc. J'espère que ça vous a plu. Et pour ne rien vous cacher, je suis comme Jean-Marc. Je n'aime pas beaucoup les téléphones. Alors, j'ai une petite question pour commencer. Qui est venu sans téléphone? Ah, la grande question. Ah, il y a quand même une personne. Ah, deux. Ah, pas mal. Ah, non, ça compte pas. Donc, les téléphones, c'est une longue histoire compliquée avec moi. Et la dernière conversation téléphonique que j'ai eue, c'est avec ma sœur qui me disait « Je t'ai appelé 30 fois dans la journée, tu n'as jamais décroché, je t'ai envoyé 30 SMS, tu ne réponds pas. C'est quoi ton problème avec les téléphones ?» Et donc, je vous ai mis une petite photo. Un téléphone, c'est une batterie, de la connectique, de l'électronique, des petites lampes. Un téléphone, c'est du mercure, du plomb, du lithium, des matériaux cancérigènes, des matériaux toxiques pour l'environnement, sans parler de ceux qui seront épuisés dans quelques années. Alors, vous avez compris, je n'aime pas les téléphones. Mais là, il est presque midi, vous vous dites, ouh là 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 là, ça y est, elle va nous gonfler, on a faim. Pourquoi? Alors, je vous rassure, je n'ai pas toujours été écolo. Au contraire même, au début, j'étais chimiste. Une raison simple, vous voyez tous ces béchers, ces petites fioles, ces ballons, il y a plein de couleurs, c'est juste fun. C'est coloré, ça sent bon, on peut faire exploser des trucs, la chimie, c'est bien. Et donc c'est comme ça que je commence. Je pars en métropole, j'intègre une école de chimie, et de fil en aiguille, je passe les étapes et tout, et je pars en stage dans une usine qui fabrique des engrais. Alors, des engrais pour la culture, des petits grains bleus, et le stage est en laboratoire de contrôle qualité. Alors, le contrôle qualité, messieurs, dames, c'est simple, hein, ce sont des analyses physiques et chimiques. Tous les matins, je reçois un petit pot d'engrais, en fait, en grains, des grains, en fait, que j'analyse. Donc, contrôle physique, dureté, taille des grains, couleur des grains, diamètre. Voilà tout ce qui est basique. Et puis des analyses chimiques. Les analyses chimiques, donc le pH, la solubilité, la concentration en matière active. Le seul petit souci, c'est que cette usine, elle ne fabrique qu'un seul produit, de l'engrais. Et donc c'est parti pour un stage de 3 mois où je fais les mêmes analyses tous les jours, de 8h à 18h. Alors, vous avez deviné, je m'ennuie comme un rat mort. Pendant 3 mois, ça va être difficile. Mon maître de stage, qui est quand même finalement assez futé, s'en rend compte et me dit « Qu'est-ce qui se passe? Je te sens plus très motivée, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc là, je lui parle franchement, je lui dis « Bon, écoutez, c'est bien, j'ai acquis de la technique, mais tous les jours, je ne me vois pas vraiment faire ça tous les jours, donc comment on fait ?» Et mon maître de stage, à l'époque, est référent environnement. Et il me dit, écoute, je m'occupe de l'environnement sur l'usine. Est-ce que tu as envie de bosser aussi sur cet aspect pendant ton stage? À ce moment-là, messieurs, dames, l'environnement, je me dis, oula, de quoi il me parle? J'y connais pas grand-chose. Mais au point où j'en suis, je n'ai pas grand-chose à perdre. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Je m'ennuie, tant qu'à faire, je suis obligée de faire ce stage. Autant travailler sur autre chose. Je commence par travailler avec lui sur tout ce qui est nuisance de l'usine, nuisance sonore, tout ce qui va être émission dans l'air. Et ensuite, petit à petit, je découvre les impacts que les engrais ont sur l'environnement. Alors là, je vous ai mis une jolie photo. Vous voyez, l'eau est toute verte. L'engrais utilisé en dosage, on va dire, pas adapté, donc trop d'engrais dans les sols, ça passe dans l'eau. La pluie lessive les engrais et les emmène dans la mer. Et on a des mers comme ça. Vous imaginez, vous allez aux salines et l'eau est toute verte? Qui se baigne? Pas moi. J'ai envie de dire que c'est la première fois que j'ai vraiment eu un choc par rapport à nos impacts sur l'environnement. Là, je me suis dit, waouh! On a vraiment, nos activités, en fait, ont vraiment un impact concret sur notre environnement.
Et je décide, quelque part, j'ai pas encore pris la décision de changer d'orientation, mais je sais qu'il faut que je fouille, il faut que je cherche. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est ce monsieur. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne pêche pas. Et encore moins le lambi. Le monsieur, en fait, c'est ce qu'on appelle un réfugié climatique. Il est en train de regarder son île qui a disparu sous les eaux. Le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, le trou dans la couche d'ozone, toutes ces problématiques qui, en fait, ont, on va dire, bouleversé le climat, favorisé la montée des eaux et créé des situations comme celle-ci. Et j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, que c'est juste le début. Ce n'est vraiment que le début. La deuxième chose qui va m'interpeller, c'est cette jolie molécule. Est-ce qu'il y a des chimistes dans la salle ? Qui sait ce que c'est ? Ah, ah, ah. C'est de la chlordécone. Ni plus, ni moins. Le scandale chlordécone éclate. On lie la chlordécone au cancer. Les Antillais sont tous très affectés. Là, je me dis, waouh, mais c'est pas possible. Il y a vraiment des soucis. Il y a vraiment un problème. La chlordécone, le réchauffement climatique, il y a quelque chose à faire. Ensuite, j'apprends une information. 70% des métaux que nous utilisons aujourd'hui, en 2040, c'est-à-dire dans 25 ans, les sources seront taries. Plus de zinc, plus de cuivre, plus de plomb. Je ne sais pas comment on va faire vos téléphones, messieurs, dames. C'est ça le cœur de la question. Et là, quelque part, je sais qu'il faut que je change de voie, qu'il faut que je fasse de l'environnement. J'ai envie d'essayer de lutter contre tout ça. Mais je ne sais pas vraiment comment. Je cherche un peu la genèse de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a tous ces soucis ? Et au final, j'arrive à une conclusion assez simple. On consomme beaucoup trop. Des choses dont on n'a pas besoin, des choses qui, au final, sont en doublon, ou des choses qu'on aurait pu économiser et puis qu'on achète quand même. Et surtout, on consomme vraiment mal. Nous choisissons nos produits en fonction de nos besoins, certes, mais nous n'avons pas encore le réflexe de faire des comparatifs. Où ce produit a été fabriqué ? Comment ? Est-ce que des enfants sont en jeu ? Nous ne consommons pas comme nous pourrions le faire de façon plus responsable. Et c'est à ce moment-là, messieurs, dames, que je choisis de faire de l'éco-socio-conception. Alors là, ça y est, vous vous dites, ouh, elle a dit un gros mot. Mais en fait, non. L'éco-socio-conception, c'est pas compliqué. C'est de la conception produit classique. Je réponds à un besoin du consommateur en mettant en face une solution produit ou service. Simplement, en répondant à ce besoin, je m'occupe des impacts écologiques et des impacts sociaux. Quand je conçois le produit que je veux vendre, j'ai bien réfléchi à ces impacts et j'ai fait le maximum soit pour les faire disparaître, en fait, soit pour les réduire. Et donc, c'est dans ça que je me lance, messieurs, dames. Pendant 4 ans, je vais faire de l'éco-conception dans une entreprise en essayant de vendre des produits plus responsables. L'éco-conception, en fait, a fonctionné sur plusieurs niveaux. Le premier, celui que j'appelle la durabilité. Un produit, en fait, qu'on pourra réutiliser, qui va durer plusieurs années, c'est un produit durable. J'aime beaucoup l'exemple du bureau. Donc, ce sont des bureaux qui sont conçus pour faire glisser les tablettes, faire monter les échelles. Et c'est un bureau qu'on pourra utiliser de 3 ans à 18 ans. Oui, vous pouvez trouver des bureaux pour vos enfants qui vont faire de l'enfance à l'âge adulte. Et ça, c'est un produit durable. Le deuxième pilier vraiment important d'éco-conception, c'est ce qu'on appelle la multifonction. J'aime bien cet exemple parce que c'est une table qui a 3 fonctions. La première, la table à manger de tous les jours. On peut y manger à 4, famille moyenne. La deuxième, il y a 2 extensions. Vous pouvez l'utiliser à 8, à 10. C'est une table pour recevoir. Et la dernière fonction, une fois que vous avez plié la table,
C'est une table basse, une table de salon. Et ça, messieurs, dames, ce sont des impacts d'une table divisée par 3. Il n'y a plus de déchets. Le mot déchet est banni du dictionnaire. Que des sous-produits. Qu'est-ce qu'un sous-produit ? Typiquement, c'est le résidu, le reste d'une production qu'on a réussi à valoriser. On crée de la valeur ajoutée à partir de ce qu'on a appelé un déchet. Il y a un exemple extrêmement intéressant en Martinique, c'est celui du revêtement de surface créé à partir des troncs de bananiers. Quand la récolte est finie, on a récupéré toutes les bananes. Le tronc, ordinairement, c'est un déchet. Aujourd'hui, les troncs sont valorisés en revêtement de surface. Ça, c'est particulièrement fort en éco-conception. Et c'est vraiment, je pense, des exemples qui vous montrent que c'est possible, que l'éco-conception fonctionne. Je travaille donc pendant 4 ans sur ces sujets, mais vous savez quoi, ça ne fonctionne pas. Je vous ai présenté tout ce qu'on peut faire en éco-conception, là vous vous dites « waouh, c'est super !» Mais dans la pratique, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Selon moi, un problème de communication. Au final, aujourd'hui, le consommateur est devant ça. Écolabel européen, normes françaises, label forêt durable, label imprime vert, les labels, les étiquettes, il y en a des centaines. Qui est capable de me dire ce qu'il y a derrière chacune d'entre elles ? Qui les comprend ? Qui sait les lire et qui sait choisir en fonction de ces étiquettes ? C'est le cœur du problème. Les produits sont là, mais on n'a pas encore réussi à communiquer suffisamment avec le consommateur pour qu'il change sa consommation. Au final, aujourd'hui, après y avoir beaucoup réfléchi, j'ai envie de vous dire qu'il ne nous reste qu'un pas à faire. Libérer ce que j'appelle l'éco-transparence. Alors là encore, c'est un concept, mais en clair, il y a 2 choses. La première chose, c'est réveiller les consciences des consommateurs. Depuis plusieurs années, beaucoup de gens sensibilisent, beaucoup de gens parlent à nous, consommateurs. Et j'ai envie de dire que ce levier, il est déjà presque activé. Il y a déjà beaucoup de gens qui font attention à ce qu'ils achètent, pourquoi ils achètent, comment ils achètent. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a. Et la deuxième chose, à l'ère de la troisième révolution industrielle, au moment où on parle d'usine du futur, qu'est-ce que c'est l'usine du futur ? Une usine responsable, une usine centrée sur l'humain et une usine connectée. Connectée par les réseaux, connectée par Internet, connectée par l'open data. L'open data, la donnée ouverte, la donnée transparente, la donnée libre. Une fois que les entreprises auront intégré cette éco-transparence, une fois qu'elle sera dans leur stratégie, une fois qu'on saura tout sur le produit, là, à ce moment-là, les consommateurs pourront choisir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les émissions comme Enquête exclusive, Capital, M6 Investigation, tous ces documentaires en fait ont un point commun, c'est qu'on nous dit tout. Et vous avez déjà sûrement eu ce réflexe, waouh, je savais pas que c'était fabriqué comme ça. Moi, je vais plus jamais en acheter. Eh bien, je suis sûre que si on faisait l'inverse, si on était transparent, si on disait d'où venaient les choses, comment elles étaient fabriquées, par qui, pourquoi, eh bien, les gens auraient le réflexe inverse. Ils diraient, ah oui, ça, ce produit, j'ai envie de l'acheter. Je sais qu'il a été fait de façon responsable, qu'il fait fonctionner l'économie locale, qu'il fait travailler les gens dans mon quartier. Là, ce produit, je peux l'acheter. Et donc, messieurs, dames, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Que l'éco-transparence n'est qu'à un pas d'être libérée. Elle le sera quand nous, consommateurs, nous exigerons de savoir ce que nous achetons. Nous exigerons de comprendre d'où viennent les produits, comment ils ont été faits. À cette veille de Noël, vous allez recevoir des cadeaux. Je vous invite à vous poser la question. Le cadeau que j'ai reçu, d'où il vient, comment il a été fabriqué, et si c'était à refaire, est-ce que je le rachèterais ? Merci beaucoup.